De père inconnu, Yves est élevé par sa grand-mère Marie Figueira d'Almeida, 1888 à 1971, et s'invente une mère parfaite. La princesse Mourouzi, émigrée de Russie de noblesse fanariote, Euphrosine Mourouzi, 1907 à 1965, fut en fait une intrigante proche des Allemands pendant la guerre. Elle est considérée comme faisant partie des comtesses de la Gestapo. Pour gagner sa vie pendant l'occupation, cette toxicomane fit du trafic de cigarettes et dénonça des familles juives et d'immigrés russes. D'après Cyril Eder, elle aurait fait de la prison pour avoir escroqué les nazis et en serait sortie pour accoucher en juillet 1942 d'Yves Mourouzi. Ce fils se posera longtemps des questions sur sa filiation. Sa mère ayant eu des aventures avec des Français et des officiers allemands, elle lui dira que son père était Richard Glorieux, 1905 à 1954, collaborateur français. Ce qui est attesté, c'est qu'elle fut condamnée en 1950 à 3 ans de prison ferme pour intelligence avec l'ennemi. Elle serait morte en Grèce dans la pauvreté et l'anonymat. Yves effectue ses études secondaires au lycée Lacanal de Sceaux. Il entre ensuite à la faculté de droit de l'Université de Paris et à l'ENALCO.